bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. D'avoir agréé aujourd'hui ma louange, mon adoration. Et dis merci maintenant de me permettre d'écouter ta parole. Ta parole est la vie. Père, je te rends grâce. Je sais et je crois que je serai affranchi, que je serai délivré aujourd'hui par la vérité qui est ta parole. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il y a d'avoir les prophéties de la part de Dieu. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gardez ces mouvements de louange, beaucoup de louanges étant ici. Demain, dans loin, dans la maison, demain, tu vas nous prier ici, dit louez simplement, louez, louez, même pour les cas, nous avons des pieds d'esprit, louez. Louez Dieu, faites-la, remplissez-vous de joie à la maison. Il y a quelque chose que Dieu fait quand un enfant est dans la joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous continuons la série d'enseignements. Alléluia. Sur l'indispensabilité de la prière. Nous avons terminé la partie qui concernait les armes spirituelles. Dimanche passé, j'ai terminé sur une arme que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui s'appelait le manteau de l'humilité. En résumé, toute l'armure décrite par Paul, qui a pris référence à l'armure romaine, est devant. Derrière les dos, il n'y a rien qui protège. Vous avez la ceinture de la vérité, vous avez la cuirasse de la justice, vous avez l'épée de l'esprit, vous avez le bouclier de la foi, vous avez le casque du salut, mais derrière, il y a un vide. Mais si l'ennemi est terrorisé et passe par derrière, donne une flèche, la flèche va t'atteindre. Nous avons vu que c'était le manteau de l'humilité. Alléluia. La Bible dit de vous refaire tout d'humilité, de vous humilier devant Dieu et de résister au diable. Celui qui n'est pas humble ne peut pas gagner, va croire gagner comme spirituel pour un temps. Mais à un moment, l'ennemi va le frapper au dos. Et ça sera irréversible. Alléluia. C'est pourquoi, comme enfant de Dieu, nous devons être extrêmement vigilants. L'enfant de Dieu doit se surveiller. Tu n'as pas besoin de surveiller. Tu n'as pas besoin de voir si le pasteur passe à l'école ou pas. Ou il va passer aujourd'hui ou pas. Tu as besoin de dire, oh, Saint-Esprit, tu es à moi. Montre-moi qui je suis. Si je marche mal, dis-le-moi. Ce que je dois changer, que je le change à temps. Je suis dans cette situation perdue. Je fais demander pourquoi les choses perdues dans ma vie. Alléluia. Parce que les choses que j'ai entendues cette semaine ici pour les gens qui se disent chrétiens ou chrétiens, c'est une fois au dos. C'est une fois au dos. Hein? Regarde. Juste un commentaire. Si vous n'êtes pas encore marié, qu'un troubadour ou quelqu'un vient vous se présenter devant vous là, pour vous marier, vous en fiancer, il n'a pas le droit de vous toucher. Si vous allez derrière ces choses avant le mariage, vous détruisez tous les plans de Dieu. Tous les plans de Dieu. Des fois, vous voyez la présence du non, c'est fini, cette soirée est finie parce que vous n'avez pas honoré Dieu. Faites extrêmement attention. Les impudiques ne verront pas Dieu. Il faut faire attention. Alléluia. Cette semaine était très dure pour moi d'entendre. Je dis, oh. La chrétienté, ce n'est pas d'abord prier. La prière ne fait pas de toi un chrétien. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui te fait un chrétien. Alléluia. Si tu obéis à la parole de Dieu, ta prière sera mieux. Tu peux prier plus que tu fais tous les sectes prient. Les musulmans même prient. 7 fois par jour, je crois. Hein? Ils respectent des heures, ils prient. Tout le monde prie. Alléluia. Mais c'est l'obéissance à la parole. Le Saint-Esprit est là pour te conduire à l'obéissance à la parole. Enfant de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de mariage. J'ai vu des gens, juste à cause de l'acte, Dieu a interdit la chose, ça ne va pas exister. Le cœur de l'homme a changé automatiquement. Il faut faire attention. Mais le frère Laurent va faire quoi? Il n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Faites extrêmement, je donne juste un avertissement, faites extrêmement attention. Revenez sur ces choses-là parce que vous préparez une bénédiction plus tard. Et puis chez Dieu, ce n'est pas comme un. Tu vois, quelqu'un d'autre peut arriver
ce chemin-là, Dieu fait grâce. Mais toi, tu passes, toi, tu meurs. Voyez un peu. Dieu, il faut pas. Dieu, il joue pas avec. Alléluia. C'est pas beau chose que j'ai écouté la semaine qui m'ont donné beaucoup de larmes. Et quand tu vois quelqu'un faire un commentaire, la personne prie. Mais quand tu attends, c'est que j'ai appris de la personne qui prie beaucoup, que tout le monde croit qu'il a changé, j'avais envie de tomber sur la chaise. Et j'ai fait un test. J'ai dit, bon, des deux là, qui va m'appeler plus? C'est l'homme qui m'a appelé tout le temps. La personne qui est défaut n'a jamais appelé. Hein? Faut faire attention. Alléluia. Amen. C'est pour vous montrer que la parole, l'Esprit de Dieu, c'est pas que la prière peut être aussi que nous occuper, occulter certaines choses. Si vous ne comprenez pas que la chrétienté, c'est d'abord la parole de Dieu et la parole de Dieu, vous croyez une bonne prière. La prière, ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, elle peut vous égarer longtemps. Oui, il y a des églises où on fait prière, on bloque chaque fois qu'il y a quelque chose dans la ville, on bloque le croyant à l'église, on invente une histoire de prière sur prière. On dit même aux gens de ne pas s'occuper des familles, ils vont s'occuper d'abord de prière. Vous allez voir à la fin que c'est là qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Alléluia. Ta prière sera plus efficace si tu crains Dieu, si tu obéis à la parole. Et c'est même quoi? Jésus avait fait des longues prières. Hein? Non. Jésus a fait des prières plus courtes avec des résultats très évidents. Alléluia, ça c'était pour mon rapport spirituel de la semaine. Je vais commencer à faire ça souvent pour vous réveiller parce que les choses qui se passent ailleurs, c'est aussi les choses qui peuvent vous arriver pour que vous soyez réveillés. Alléluia. Alors, on a terminé avec le bandeau de l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux âmes. Tu dois être humble. Être humble, c'est obéir à Dieu en toutes choses, à ce que Dieu commande. Ce n'est pas la douceur. Amen. Les orgueils ne peuvent pas écouter Dieu. Les hommes écouteront Dieu tout le temps. Mais quand tu obéis complètement à la parole de Dieu, quand Dieu dit, vous soumettez pour les autres, tu es soumis aussi aux autres. Alléluia. Vous savez que la parole là, quand tu l'écoutes, il faut demander au Saint-Esprit de bien la comprendre. Si tu comprends bien la parole de Dieu, et tout ce que tu feras par rapport à te dévier. Vous voyez les ailes qui ont les témoins de Jéhovah, ils sont des ailes terribles, mais ils ne sont pas sur les chemins de la vie. J'ai eu même la semaine passée des moments qui sont venus me réveiller. J'ai dit, mais quand même, vous là, est-ce que vous avez prié avant de venir ici? Vous priez qui? Parce que moi là, vous ne pouvez pas venir chez moi. Vous êtes venu me réveiller, en plus il est 10h du matin pour me réveiller. Et moi, c'est que j'ai prié Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Vous pouvez partir, jeune homme. Vous êtes sur un chemin qui n'est pas bon. Ok? J'avais pas le temps de les parler. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Et ton aimé, Dieu agit, et ton aimé, Dieu agit. Aujourd'hui, ton aimé, Dieu agit, et ton aimé, Dieu agit. Jésus, le roi des rois, et ton aimé. L'enseignement, nous prenons Ephésiens 6, verset 18. Alléluia. On a vu l'armure spirituelle, c'était dans le cas des ingrédients de la prière. Revenons dans Ephésiens 6, verset 18. Paul conclut par cette phrase qui va nous donner notre enseignement d'aujourd'hui. Faites en tout le temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile dans lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Faites en tout le temps par esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Aujourd'hui nous allons commencer et continuer avec les sortes de prières. Amen. Les sortes de prières vous aident à prier efficacement. À chaque cycle constant de la vie, votre prière sera différente.
Alléluia. Amen. Vous n'allez pas combattre quand il faut remercier Dieu. Alléluia. Vous n'allez pas supplier quand vous avez le droit de demander avec foi. Alléluia. Vous n'allez pas demander avec foi quand vous êtes fautif, vous allez supplier. Amen. Vous n'allez pas intercéder quand vous savez que vous n'êtes pas connecté avec Dieu parce que c'est vous créer des problèmes inutilement. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas faire une prière de dédicace ou de confiance quand vous n'avez pas, vous n'êtes pas ancré dans l'espérance. Votre prière ne marchera pas. Vous allez douter, ça ne marchera pas plus tard. Alléluia. Et donc, il y a plusieurs sortes de prières que l'enfant de Dieu doit connaître. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais, avant d'entrer dans ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais les énumérer rapidement aujourd'hui comme introduction, parce que ça va prendre peut-être 4 dimanches, je parle des sortes de prières. Alléluia. Parce que nous allons parler de la prière cette année. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, revenons sur notre texte. L'apôtre dit, faites en tout temps par l'Esprit avec un grand E, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Pas une personne, une entière persévérance. Est-ce que intelligemment vous pouvez faire tout le temps la prière? Vous êtes tout le temps en prière, intelligemment? Vous êtes déjà? Non. Par l'Esprit. Alléluia. Nous allons voir. Ça veut dire quoi par l'Esprit? Là, l'apôtre parle de deux concepts. Il parle en même temps par l'Esprit. C'est-à-dire que par ton esprit, tu pries, cela va s'exprimer à une langue inconnue de toi, elle peut être une langue céleste ou une langue terrestre. Amen. Ou il parle aussi, le concept veut dire aussi dans l'esprit, vous voyez qu'il y a sur l'effusion du Saint-Esprit qui parle en français, qui parle en langue, par exemple, des Guinéens qu'elle connaît bien. Et puis, mais il dit des choses qu'il ne pouvait pas imaginer parler. Alléluia. Donc, toutes les deux formes de prière sont initiées, conduites par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a un texte. Et c'est pourquoi beaucoup de différents, allez voir, les églises ont fait des prières mécaniques. Et les gens, ah, toi tu vas prier comme ça, toi tu vas prier comme ça, toi tu vas. Et il n'y a pas d'inspiration du Saint-Esprit. Une prière, quand elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, une prière mentale, elle peut donner des résultats. On va vous montrer comment ça peut donner des résultats. Alléluia. Mais Paul parle ici de prier par l'Esprit tout le temps. C'est seulement par l'Esprit que tu peux demeurer tout le temps en prière. La prière intellectuelle ou mentale, elle peut marcher. Je vais vous expliquer pourquoi. Et dans certaines formes de prière, mais elle a des règles. Amen. Elle a des règles. Un des exemples de prière mentale, la prière par exemple de la foi, c'est lui qui a vraiment une vraie foi. Il prie par rapport à la connaissance des choses qu'il connaît, sans. Il croit par rapport à ce que la parole promet. Il croit à la promesse fermement. Il va aussi voir les résultats. Alléluia. Mais tu ne peux pas faire ça tout le temps. Parce que ton intelligence doit fonctionner. Tu dois travailler. Tu dois faire les autres choses. C'est le Saint-Esprit qui peut prier tout le temps en toi. Alors que toi, tu fais autre chose pendant ta vie. Tu peux conduire. Tu es en train de prier. Tu peux dormir. Tu peux travailler. Tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous. Avant que nous avancions, allons mettre dans le texte des Romains, que j'aurais pu mettre dans la conclusion. C'est pourquoi sa prière rébarbatif, répétition sur répétition, sans l'esprit, peut vous conduire à autre chose qu'à Dieu. Il faut faire attention. Même la prière, quand on vous donne la prière de combat, quand vous le programmez, vous devez le programmer avec votre cœur. Vous le programmez avec votre tête. Vous devez croire à ce que vous proclamez. Pour voir ce que vous proclamez, c'est comme vous proclamez la Bible pour que cela s'accomplisse. Qui peut pas prier, prier juste dans ta tête, c'est comme une histoire. Amen. Vous voyez, un jour, je vais prendre juste un exemple, qui va un peu faire rougir Moïse, il était un peu distrait un jour. On était à la télé publique et puis j'ai vu Moïse, il est allé suivre Michel, il est allé faire la boxe. J'ai touché ma tête, j'ai dit, mais c'est grave. Là, quand il faisait la boxe, c'est ta tête là qui, sa tête, il est là, la tête. J'ai touché ma tête, j'ai dit, hey, j'ai le problème moi. Alléluia. Et reste, il s'est corrigé vite. Alléluia. Romains, prenons bien Romains 8. Romains 8. Je m'excuse pour une longue introduction.
au cours de la semaine, m'ont beaucoup attristé par rapport au corps du Christ. Beaucoup attristé. Vous citez Dieu, vous citez prière, vous faites des choses. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Et parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, le Saint-Esprit a un attribut de nous conduire dans la prière et de nous aider dans la prière. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi quand il sent un poids de prière, une ennui, il sent quelque chose qui ne va pas. Pars en prière. Alléluia. Pars en prière. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, quand nous, on ne sait plus quoi faire, que faire, comment faire, la situation perdue, le chaos est là, où mettre la tête, lui vient nous aider à prier par des soupirs inexprimables. Amen. Ces soupirs peuvent arriver au niveau de notre bouche et sortir notre langue de prière. Vous comprenez un peu? Amen. Des fois, c'est juste des soupirs. Peut-être la semaine prochaine, il y aura des gens qui étaient avec moi ici en 2002 qui vont être là. Ok? Ouais. Ils se souviennent des frères Abdel. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas vu. Abdel venait d'arriver, puis il venait de partir au Maroc. Et c'était un musulman qui s'est converti, déjà amené en Christ. Mais il était tellement à Dieu. Il était tellement pur dans le terme musulman. Parce qu'à 35 ans, cet homme n'avait même pas connu de fille. Ouais. C'était un bel homme, un géant. Et quand je l'ai amené en Christ après notre jeûne de 7 jours, il commence à prier. Il priait par des soupirs, seulement. Il était à genoux. Il transpirait des soupirs. Je vous dis que toutes les choses que j'avais prédites sur la vie de cet homme, c'est ça accompli comme un. Il était dit qu'il retournerait au Maroc. On a prié un jour, il y a un frère qui est arrivé à la ville de vision, des villes marocaines. On a dit, frère, c'est pas ici. Là. Il dirigeait un projet ici à la région de santé. J'ai dit, laisse le projet retourner au Maroc. Obéissant comme un enfant. Je vais avoir des enfants comme ça là. Qui obéissent. Il est parti au Maroc. C'était promis qu'il va souffrir pendant 3 ans. Il a souffert au département de l'épidémie à Casablanca. Il a souffert. Son chef de département l'a fait souffrir. Hein? Au comment on fait, il a fait ça. Donc il a souffert énormément. En 2003, ce chef de département là est mort. Et c'est lui qui est le chef de département. Il est venu le ministre de la Santé ici en 2005. Il a quitté l'aéroport, ils allaient au Michigan jusqu'à la maison pour sa jeunesse. C'est pas pour que je prie pour lui. Des soupirs. Quand Dieu sait que tu l'aimes, que ton cœur est à lui, des fois tes frères ne sont pas importants devant lui. Alléluia. Quand on va arriver dans la prière d'adoration, vous allez comprendre c'est quoi. Des fois tes frères ne sont pas importants. C'est pas le cœur doit être fonctionnel. Le cœur du chrétien doit être dans la pureté et dans la crainte de Dieu constamment. Alléluia. Nous voyons aussi que le Saint-Esprit vient intercéder à travers nous. Comment? Où? C'est dans ton esprit. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Ceux qui disent que l'homme est composé de l'âme et du corps sont à côté. Le Saint-Esprit va chercher où? Pas dans ton âme. Ton âme, c'est toute ton intelligence. Il n'a rien à faire avec ton intelligence. Nous allons voir la prière par l'esprit en langue. Quand tu pries en langue, ton intelligence ne sait même pas ce que tu dis. Ton intelligence fait vite arrêter. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, quand nous parlons de la prière, Paul vient en terminaison spirituelle, veut montrer une des priorités du Saint-Esprit, c'est de nous aider à prier. Alléluia. Quand je vais parler de la prière en langue tout à l'heure, là, on va voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ah, les langues, c'est les langues des démons. Ah, les langues ont cessé depuis les apôtres, tout ça. Mais si les langues ont cessé, le Saint-Esprit aussi a cessé. Et le Saint-Esprit a cessé. Non. Le problème avec les chrétiens, quand il n'a pas encore expérimenté quelque chose, il croit que c'est fini là. Non. Amen. J'avais la révélation de que le Saint-Esprit peut venir un jour remplir quelqu'un et délivrer. On a eu l'expérience avec ma fille Lynn ici il y a 2 semaines. Le Saint-Esprit est venu sur elle
Elle a parlé l'arabe correctement. Elle a parlé l'anglais correctement. Elle a parlé l'anglicien correctement. Le propriétaire est venu. Madame, oh, tu n'as pas beaucoup de langues comme ça là, pourquoi? Elle ne pouvait pas arrêter au téléphone pendant plus de 16h à 20h. Mais le choc que Dieu lui a dit, je ne vous dis pas, c'était sa délivrance de l'esprit de mort ce jour-là. Et pas une personne qui l'aimait plus. Hein? C'était comme ça là. Vous voyez un peu? Alors, cette expérience-là, moi je ne l'ai pas lu comme ça là. Si je n'ai pas une expérience, moi, je ne peux pas dire. Non. Le Saint-Esprit, quand on a prié, l'Esprit a dit, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. J'ai dit, ma fille, si c'est le doigt de Dieu, prends-la et le métro, tu ne mourras pas. Viens, je t'en ai, je vais prier. Elle est arrivée, j'ai fait une prière de preuve jusqu'à minuit et puis elle est partie. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient pour nous aider à prier. C'est lui qui nous met le poids de prière. C'est lui qui nous dit, hey, maintenant là, hey, ma fille, mon fils, va prier. Parce que si nous ne prions pas, comme on a vu à l'introduction, il n'y a rien qui va se passer. Et on va subir des défaites tout le temps. Alléluia. Gloire. Donc, rapidement, avant qu'on comprenne, la première sorte de prière, c'est la prière inspirée et conduite par le Saint-Esprit. Il y a deux formes de prière qui sont inspirées et conduites par l'Esprit Saint. Amen. La première sorte s'appelle la prière par l'Esprit, que vous appelez la prière hein, en langue. Quand la Bible dit prier par l'Esprit, avec un petit E, c'est la prière en langue. Je vais rentrer en détail pour ça. Je vais enseigner sur ça aujourd'hui plus profondément. Je suis dit juste à l'introduction. Amen. Amen. Alors, la deuxième sorte, c'est la prière dans l'Esprit. Esprit avec un grand E. C'est la prière par l'esprit, c'est la prière en langue. En langue, ce n'est pas le bon terme que l'esprit me disait hier. Il faut dire en langue inconnue de la personne qui prie. Vous comprenez un peu? Quand on va me dire, ah, tu pries en langue, non, non. Je prie en langue inconnue. Alléluia. Parce que la prière en langue inconnue peut être une prière en une langue céleste, comme aussi une prière en une langue humaine que toi tu ne connais pas comme l'une a prié en arabe. Vous comprenez un peu? Et comme ça s'est passé le jour de Jérusalem, le jour des apôtres. Comme ça s'est passé le jour où j'étais rempli cette vie, j'ai prié en chinois. Alléluia. Amen. Alors, mais la prière maintenant dans l'esprit, c'est beaucoup, ça vous arrive même dans les cultes. Aujourd'hui, là, pendant qu'on chantait, je voyais beaucoup été dans ça. Là. C'est-à-dire que vous êtes dans l'esprit avec un grand E. L'esprit avec un grand E, c'est le Saint-Esprit. Il vient pour vous. Vous êtes en effusion du Saint-Esprit. Et là, tu parles la langue que tu connais le mien, mais les phrases que tu dis, les choses que tu sors, tu n'as jamais préparé cela. Tous les deux sont conduits par le Saint-Esprit. L'autre vient de ton esprit, l'autre vient par l'infusion de cet esprit en toi et qui te fait prier en une langue connue que tu connais, tu sais ce que tu dis. Des fois, tu ne sais même pas, les gens entendent ce que tu dis, des fois, tu es vraiment parti. Ça, dans le milieu de on dit être perdu dans l'esprit. Alléluia. Ça, c'est la première sorte. Je vais énumérer avec la deuxième sorte de prière, c'est la prière de la foi. Ça devait être la prière de tous les chrétiens normaux. Un chrétien normal doit être quelqu'un qui prie rapidement et puis ça passe. J'ai dit, quelqu'un qui obéit à Dieu. Dieu veut que. Dieu, il n'y a pas de guerre à faire. Tu obéis à Dieu. Tu appelles la chose est, c'est fait. Amen. C'est pour quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Amen. C'est la prière qu'on peut voir qu'a exprimé la femme qui avait le problème hein, de sang qui ne se terminait pas. Vous connaissez l'histoire de Marc chapitre 5. Amen. Rapidement, je suis gardé l'introduction parce qu'on va parler beaucoup plus de la prière en esprit aujourd'hui en détail. Gloire à Jésus-Christ. Dans Matthieu 5, rapidement, je l'ai dit quand même, je n'étais pas supposé le dire. Alléluia. Matthieu 5, verset 28. La femme disait, c'est la femme qui avait un problème de sang. Vous savez que cette femme avait des sangs qui se coulaient, des règles qui ne terminaient pas. Et puis, elle avait terminé tout ce qu'elle avait comme argent. Et par tous les médecins, elle avait tout dépensé. Il n'y avait rien. La situation allait s'empirant. Elle dit ceci. Elle disait, c'est vrai. Et entendu parler, je viens derrière la foule, touchant les son vêtement. Elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri.
Au même instant, la paix de sa s'arrêta et sentit son corps qu'elle était déjà guérie. C'est la prière de la foi. Amen. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu, tu crois que tu as reçu et tu vois cela s'accomplir. Autre chose, tu dois d'abord exprimer ta demande et puis les recevoir et puis agir comme quelqu'un qui a reçu. On va avancer en détail, j'ai juste l'introduction. Amen. Et puis j'ai ajouté depuis au début de l'enseignement, résister la foi quand c'est la chose ne s'accomplit pas, tu résistes avec la parole de Dieu. C'est la prière de la foi, c'est la prière normale du chrétien. Alléluia. Et on va aussi voir rapidement la prière de consécration, c'est la prière de la dédicace, c'est la prière de dire telle est ta volonté. Alléluia. C'est la prière à faire, plutôt quand la volonté de Dieu est claire. Par exemple, Actes chapitre 13, l'Esprit de Saint-Esprit a dit, mettez-moi de la sorte, Pierre, Paul et Barnabas. La Bible dit qu'on a prié, on les a imposé les mains. Quand on impose les mains pour une mission chrétienne, on s'agit d'une prière de dédicace que Dieu vous préserve dans la mission que vous avez. Alléluia. On va voir ça, il y a encore d'autres formes de consécration. Vous pouvez voir dans les textes de Chroniques, quand Salomon a fait la dédicace, il a fait une prière de consécration puissante qui a encore ses effets jusqu'à aujourd'hui. Alléluia, on va voir cela. Il y a aussi ce qu'on appelle la prière de supplication. La prière de supplication, c'est la prière de fautif. Je suis dit à l'introduction et puis on va venir après, des semaines. Chaque sujet aura un dimanche. La prière de supplication, c'est la prière de fautif. Amen. Comme ma soeur là qui m'a dit hier, j'ai dit, mais as-tu entendu ce que Dieu a dit, la part de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je suis à sa merci. J'ai dit, ne dis pas que tu es à sa merci. Tu le supplies, il est ton père. Tu le supplies. Tu dis, Père, je suis fautif. Père, pardonne-moi de d'avoir volé ta part. Pardonne-moi de ceci. Tu demandes pardon à Dieu, tu supplies Dieu. C'est la prière du fautif. Un chrétien qui a commis volontairement un péché. Dieu va pardonner le péché parce que Jésus a déjà réglé pour le péché. Mais tu vas payer le prix de ton péché volontaire. Mais pendant que tu as payé le prix de ton péché volontaire, tu peux supplier le Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, pour qu'il te fasse grâce. Ça s'appelle la prière de supplication, ça s'appelle la prière du fautif. Mais beaucoup de chrétiens sont dans ça là, alors qu'ils ne sont même pas fautifs. Parce qu'il manque la foi. Ah, Dieu va faire, mon Dieu va faire. Alléluia. Cinquième, la prière d'intercession, c'est une forme de prière de supplication, mais pour quelqu'un d'autre ou une autre situation. Alléluia. Là, toi, tu parles, tu supplies Dieu pour les fautes de toi. Tu supplies Dieu pour qu'il fasse grâce à toi, comme j'ai prié toute la nuit pour la RDC là. Alléluia. Et cinquième qui devait être après la prière de la foi, c'est la prière d'accord. D'accord. A-C-C-O. Comment se mettre d'accord. Alléluia. La Bible dit quand deux ou trois se mettent d'accord pour demander une seule chose quelconque, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Se mettre d'accord, c'est une prière puissante. Regarde-moi. Si la prière d'accord ne peut marcher que si tu t'accordes avec quelqu'un qui a la foi et toi qui as la foi. C'est une prière de double foi. Alléluia. Tu ne vas pas t'accorder avec quelqu'un qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, toi, prie pour lui. Et tu dis d'abord, vous priez pour lui. C'est pourquoi là, quand vous faites des conférences au téléphone avec des gens, vous vous accordez sur les choses. Et les gens, vous ne connaissez pas, ils ne savent même pas où ils se tiennent. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. La prière d'accord, c'est, par rapport à ce que je dis dimanche, parce que sur l'unité spirituelle, c'est quand il y a l'unité spirituelle, la prière d'accord marche et ça donne des miracles incroyables. Alléluia. Amen. Septièmement, on va voir, c'est la prière de confiance. C'est la prière qui libère les fardeaux. Pour des choses, des situations difficiles, comme par exemple la situation que je connais avec Michel. Je dis, ça va faire. C'est la prière de confiance qui dit quoi? Seigneur, j'ai prié. Ou la prière pour laquelle nous avons à l'hôpital. J'ai prié. Tu as dit que tout va bien. Mais moi, je ne vais pas encore. Mais j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Je te laisse ce problème entre tes saintes mains et je te fais confiance qu'à l'issue de la chose va s'accomplir. Tu libères le fardeau, tu dis ça pour le poids pour la personne et pour la chose. Amen. On va voir ça en détail. Et puis, huitième, la prière d'adoration. On va enseigner profondément c'est quoi la prière d'adoration.
C'est la prière d'adoration et aussi une de ces prières, j'ai oublié, initiée par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu comme ça par toi-même. Jésus a dit, les véritables adorations en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. On va voir ça en détail. C'est quoi la prière d'adoration? Amen. Adorer Dieu, ce n'est pas un chant d'adoration. Amen. Tu peux adorer Dieu sans chanter. Et comme tu peux chanter sans adorer Dieu. Alléluia. On va voir et parler de ça en détail. Et puis, dernièrement, nous parlerons de la prière prophétique. La prière prophétique, c'est la prière qui libère l'espoir dans la vie de pour ceux qui ont l'onction prophétique. Allez, tu peux avoir des problèmes pendant longtemps. Il fait une prière qui change ta vie complètement. Alléluia. Cette prière, c'est une prophétie sur une personne. C'est la prière prophétique qu'on communique pendant les dons. Et Paul a dit, les dons qui t'ont été commités par l'assemblée des anciens à Timothée, c'est la prière prophétique qui commit les dons. Quand tu avais des prières, le Saint-Esprit dit quelque chose qui s'accomplira dans la vie de la personne. Alléluia. On va parler de ça en détail. Et puis nous parlerons aussi, la prière d'autorité, c'est une forme de prière de la foi, mais qui est dirigée contre les circonstances et contre les démons. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas la prière d'autorité contre les hommes. Alléluia. Et puis nous terminerons la longue série, peut-être au mois d'octobre ou novembre, sur la prière d'action de grâce. Ça va être profond et je vous assure que Dieu est grand. Alléluia. Nous revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons la prière, les prières qui sont initiées par le Saint-Esprit. Commençons par la prière dans l'Esprit. Amen. Dans la Bible, dans Jude chapitre 20, c'est un texte, quand vous le lisez en anglais, ça donne une bonne traduction. Quand vous le lisez en français, la traduction n'est pas bonne. Surtout dans Louis II, la traduction n'est pas du tout bonne. En fait, dans Jude 20, on parle de la prière dans l'Esprit. On parle de la prière par l'Esprit. Alléluia. La prière dans l'Esprit, c'est cette prière-là qui t'arrive que tu es en train de prier sous l'effusion du Saint-Esprit. Tu commences à dire des choses que tu n'avais pas programmé de dire. Et des choses, ça vient de la même manière que la prophétie arrive. Alléluia. Tu es en train de dire à Dieu des choses que tu n'avais pas prévues, que tu n'avais pas du tout préparées. Ta tête ne participe pas à ça. Là. Alléluia. Amen. Quand tu es dans ce niveau de prière, tu es souvent, comment? Tu es davantage conscient des choses de Dieu et du ciel et des choses spirituelles. Ton environnement, tu t'occupes plus de ça. Amen. Et c'est comme toutes ces prières, c'est comme les prières d'adoration aussi. Ton environnement le plus important, c'est le ciel que tu regardes. Tu y es vraiment les yeux de ton cœur vers le ciel. Amen. Et quand tu es dans cette forme de prière, le temps est le plus important. Quand tu vas terminer, tu as fait une heure de prière, deux heures de prière sans te rendre compte. C'est le Saint-Esprit, tu as prié sous l'infusion du Saint-Esprit. Alléluia. Ça s'appelle la prière dans l'Esprit. Dans Jude, comme dans Jude chapitre 20, dans Luc 2, on dit, bien-aimés, vous défiant vous-même par une très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Le même texte que vous allez lire dans la version amplifiée en anglais, on dit, in the Holy Spirit. Amen. Quand vous êtes dans d'autres versions aussi en français, on dit, dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre quand vous lisez la Bible, quand vous voyez, par le Saint-Esprit. Ça signifie nécessairement dans le Saint-Esprit. Parce que quand nous allons voir Romains, nous allons voir aujourd'hui 1 Corinthiens chapitre 14, on dit par l'Esprit. Celui qui vient pas prie par son esprit qui est en prière. Ton esprit est en prière sous, comment je dirais, par le Saint-Esprit qui est en toi, sous-entendu, mais c'est ton esprit qui prie. Voyez un peu, c'est ton esprit qui prie. Et dans la prière dans l'esprit, tu es sous l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va voir ça en détail. Non, celui qui est toujours sous l'effusion du Saint-Esprit ne se rend plus compte. C'est pourquoi quand tu pries d'abord, tu es allé prier. Tu as prié longtemps. Tu n'as pas prié en langue, mais tu as prié longtemps. Tu n'as même pas vu le temps passer. Donc l'effusion du Saint-Esprit était sur toi. Alléluia. Tu es perdu dans l'esprit. Tu es perdu. C'est là aussi que tu peux voir des visions, tu peux voir plein de choses. Tu es parti
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'était un concept très important. Mais dans Louis II, quand j'ai fait mon étude dessus, c'est dit tout dans toutes les Bibles en anglais, c'est plus clair. On dit praying in the Holy Spirit. Donc, pas par l'Esprit. Non, pas by. In. Mais dans Louis II, a été un peu mal traduit. C'est Jude 20, verset 21. Alléluia. Amen. Qui ne peut pas forcer cette prière là? C'est le Saint-Esprit qui vient sur toi qui te pousse à prier. Alléluia. Non, toi tu commences à louer normalement et puis un moment il vient. Il te prend. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois arriver au point où à la fin de ta prière tu te sens léger. Amen. S'il y a encore le poids, continue à louer Dieu. Continue à prier. Quand tu termines la prière, tu te sens dit, léger. Alléluia. Amen. Ça signifie que le poids est parti. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous entrons maintenant la prière la plus controversée. C'est la prière par l'esprit avec un petit E. C'est la prière en langue inconnue de l'homme qui prie. Je disais, ne dites jamais, ne dites plus jamais, je prie en langue. Dites que je prie en langue inconnue. Alléluia. Tu peux prier en chinois, mais si tu n'es pas habitué, tu viens du Gabon, tu ne connais pas les chinois, tu as prié en langue inconnue. Dans les langues inconnues, il y a les langues inconnues célestes, les langues où nous n'avons aucune idée d'où ça vient, et puis il y a les langues inconnues terrestres, parmi les langues des gens. Alléluia. C'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Alléluia. Donc, la deuxième prière initiée par dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste expliquer comment. C'est ton esprit qui prie, mais par le Saint-Esprit qui est en toi. C'est ton esprit en toi qui prie. C'est pourquoi on dit, l'apôtre dit, l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Je vais dire, non, mon esprit, je ne vais plus prier. Je peux arrêter. Alléluia. C'est ton esprit en toi qui prie. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu es dans cette prière-là, généralement, c'est des prières qui s'adressent à Dieu. C'est à Dieu que tu t'adresses. Ce n'est pas aux hommes. C'est pourquoi, je vais entrer en détail pour lever les équipes sur les controverses. Quand maintenant, tu pries en langue et qu'il y a une parole en français qui arrive, bien souvent, c'est l'interprétation de ta prière à Dieu. Et des fois, quand tu pries en langue, que tu vois une vision, bien souvent, ça peut être la réponse que Dieu te donne. Vous comprenez un peu? Alléluia. Alors, on dit que Corinthiens chapitre 14 fait la comparaison entre la prière en langue et la prophétie. Il dit quand tu pries en langue, il n'y a pas d'interprétation qu'on s'intéresse. Et les gens sont arrivés à croire que l'interprétation de la prière en langue équivaut à la prophétie. Le terme n'est pas correct. L'interprétation de la prière en langue interprète ta prière que tu dis à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer. Alléluia. Allons un peu dans amen. Les gens lisent un peu activement et puis viennent avec beaucoup de concepts sans vérifier beaucoup des écritures. Commençons d'abord par 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Quand personne ne le comprend, c'est en esprit, avec un petit E, qu'il dit des mystères. Alléluia. Au verset 5, je ne dis que tous vous parlez en langue, plus encore vous prophétisez, mais celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, afin que ces derniers interprètent que l'Église en reçoive l'édification. C'est quoi l'édification? L'édification n'est pas qu'une prophétie. C'est-à-dire que l'Église comprend ce que tu dis. Vous voyez un peu? Regardez maintenant au verset, ce que l'Esprit m'a enseigné hier, au verset 16, 15. Quoi faire? Je prierai par l'Esprit, je prierai avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai avec l'intelligence. Autrement, suffira en grâce. Regardez bien le verset 16. Suffira en grâce par l'esprit. Comment celui qui est dans les rangs du peuple répondra dit Amen.
comme est ton action de grâce et à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Est-ce que l'action de grâce est une prophétie? C'est une prière. C'est une prière. Alléluia. C'est une prière. Revenons maintenant à Acte. Donc, quand je prie en langue, quelqu'un peut m'entendre des personnes peuvent donner que ah, Alléluia ou gloire à Yahvé, oh béni soit. Tu vois un peu, je suis en train de louer Dieu. Celui qui va entendre va être édifié, c'est-à-dire qu'il va comprendre, il va dire Amen. L'édification ne veut pas dire que ce soit nécessairement une prophétie. L'édification veut dire que l'assemblée comprend ce qu'on dit dans des langues inconnues pour que l'assemblée dise Amen. Vous comprenez cela? C'est bon, sujet d'étude biblique. Alléluia. Amen. Avec mon doigt coincé à la porte hier, que Dieu m'a dit, je t'ai dit hier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Juste encore pour vous appuyer cela, allons à Actes chapitre 2. Gloire à Actes chapitre 2. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Actes chapitre 2. Le jour de Pentecôte. Alléluia. Au chapitre 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait s'exprimer. Il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit de qui il y eut la multitude à courir, ils furent confondus parce qu'ils entendaient parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, ils disaient l'un à l'autre, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitaient la maison Potamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, Égypte, et pour les Crétois arabes, comment les entendons-nous parler dans nos propres langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans les tournements. Alléluia. Pierre s'est présenté, maintenant, il dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Il parlait quoi? Les merveilles de Dieu. Ce n'est pas des prophéties, les merveilles de Dieu. C'est quoi les merveilles de Dieu? C'est louer Dieu. C'est glorifier Dieu. Donc, ils entendaient en train de glorifier Dieu. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, l'interprétation des langues n'est pas de cette... La première chose, quand il y a une interprétation qui arrive, ça vous fait comprendre ce que la personne dit en langue, mais c'est souvent la prière qui est adressée à Dieu. Amen. Parce qu'une prophétie, c'est une parole venue de Dieu qui est adressée aux hommes. Il peut arriver qu'il y ait une réponse prophétique à une prière que vous avez faite là. Là, ça s'adresse à l'assemblée. La prophétie, c'est toujours de Dieu qui parlait à l'homme. Alléluia. Revenons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que c'est un sujet de beaucoup de controverses comme les gens qui croient vraiment à la parole de Dieu, et vous allez voir beaucoup dans les guides traditionnels, beaucoup de gens qui vont vous dire, oh non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et même beaucoup de pentecôtistes ne comprennent même pas. Ils ont, regarde, beaucoup croient que l'interprétation, c'est la prophétie. Non! Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'interprétation vous montre ce qu'est la parole bien en langue, ça s'appelle une prière adressée à Dieu. Amen. Parce que comme quelqu'un qui va rendre grâce, ce n'est pas une prophétie. L'action de grâce, c'est une prière. Les merveilles de Dieu, c'est une prière. Les apôtres étaient en train de dire les merveilles de glorifier Dieu comme c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas une prophétie qui est de glorifier Dieu. Une prophétie. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, c'est très important de comprendre ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les langues. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 4. 14 plutôt. Il dit, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit les mystères. Donc, qui t'adresse nécessairement à Dieu. S'il y a une interprétation qui va arriver pour édifier l'église, ce sera par rapport à quelque chose que tu as dit à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je voulais ajouter une chose. O maroshike malakoreya mashike. Koreya marasakaya mashike. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi, tu vois, quand tu as prié en langue, que tu vois une vision,
et où tu une phrase qui vient sortir dans ta vie, dans ta bouche plutôt, la plupart des temps, c'est les réponses à ta prière. Réponse à ta prière. Tu as prié, tu t'attends, shalom, shalom, tu as paix, ou arrête. C'est une réponse à ta prière. Sois en paix, c'est une réponse à ta prière. Ne touche pas cela, c'est une réponse à ta prière. Tu peux prendre des soins et dire arrête, ne va pas. C'est une réponse à ta prière. Alléluia. Parce que quand tu pries en langue là, pour que tu décides cette terre, il faut que ton intelligence comprenne la chose. Toi, quand tu pries en langue, ton intelligence ne comprend absolument rien. Et, c'est quoi? Ma fille lui dit, mais ça m'énerve, je ne comprends pas, mais c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? Hein? Je m'entends dire en anglais des mots comme ça, je m'entends dire l'arabe, je ne connais pas l'arabe, mais les voisins me disent tout ça. Et choukra, je ne sais pas, plein de choses qu'il disait. Vous comprenez un peu? Tu ne comprends pas, ton intelligence est irritée. Mais c'est ton esprit à toi qui prie. Alléluia. Amen. Donc, il y a une autre controverse. On dit non. Quand il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. Taisez-vous. Ok? Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas ce que l'apôtre voulait dire. Comprenez que l'interprétation. Ici, vous avez l'interprétation tout le temps. Il y en a qui comprennent qu'il y a l'interprétation ici. C'est comme de l'eau ici. Je crois, je ne sais pas, avec toute modestie, je ne sais pas où on est nombreux au monde comme ça. Avec toute modestie. L'interprétation est très simple ici. Mais avant que je n'arrive, ça m'a fait 5 ans, 97, en 2002, j'ai prié en langue, il n'y avait pas d'interprétation. La Bible dit que c'est lui qui prie en langue, prie pour avoir les dons d'interprétation. Qui donne les dons? Quelles sont les choses que vous avez demandé à Dieu? Vous avez reçu tout le temps comme ça? Non. Il y a d'autres, ça va arriver rapidement. Moi, ça m'a pris 5 ans. Amen. 5 ans. Alors, venez l'ordre dont on parle. Vous voyez, quand vous êtes tous venus en train de louer comme on était en grande louange aujourd'hui, là. Tu dois te prendre la langue dans ton coin, là, ça dérange. Non. Mais par exemple, moi, je prêche là maintenant. Là. Tu ne peux pas te mettre debout en train de prier là. Là, tu déranges. Alléluia. Ou quand quelqu'un prophétise, toi tu peux te mettre debout en train de prier en langue. Non. Il va prophétiser parce que vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit. Et puis, celui qui va prier en langue va prier. Alléluia. C'est-à-dire que les gens, je suis dans les églises où il y a, où les, je vais être clair, les églises, les sorciers se cachent. Où les gens, parce que la prière en langue a détruit les œuvres des diables, beaucoup. Hein, beaucoup. Et dans les églises où ils sont aussi traditionnels, pour la plupart, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Quelqu'un commence à prier en langue ou à prophétiser. Ah non, tu déranges, tu déranges. On est en pleine prière, il y a un dérangement. Amen. Je sais que quand on prêche là, je me rappelle une fois j'étais avec Kinshasa à l'église de notre Galaxie, et puis il était en train de prêcher, et puis il y a un papa là qui s'est réveillé, il commence à prophétiser. Il dit, frère, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Calme-toi. Ok? Là on comprend, c'est quelqu'un que Dieu a touché, mais il sait pas se maîtriser. Amen. Mais quand on est en prière de tout cela. Tout le monde veut prier. Ce n'est pas la manière dont vous organisez votre église. Alléluia. Il y a un temps de prière commune. Et regardez-moi. Et quand vous lisez les apôtres, demandez-vous si c'est de vous donner l'image du temps. Imaginez-vous le jour de Pentecôte. Tous priant en langue ou bien ils attendaient que l'autre prie en langue. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Amen. Il faut comprendre qu'à l'époque, quand Paul vient mettre de l'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui est important. Les conseils qu'il a donné, quelqu'un qui a une langue prie, l'autre vient suivre, l'autre vient suivre. Vous voyez un peu? Mais quand tu t'élèves pour prier en langue, que tu dis ta langue est forte là, toi tu dois demander à Dieu qui te donne les dons d'interprétation. Amen. Les dons d'interprétation peuvent être donnés à celui qui prie en langue. Et comme aussi peut être donné à quelqu'un d'autre. Alléluia. On va voir ça rapidement. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 14. Oh Ramachikaro. Carole est brisée. Carole est brisée. Oh Machike, mais rendons qu'au Machike. Oh Ramachikaro, Machike.
Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Verset 13, c'est pourquoi celui qui prie à l'heure prie pour avoir pour les dons d'interprétation, de l'interpréter. Ce n'est pas les dons de la traduction. L'interprétation n'est pas la traduction. Vous entendez dans l'église, dans cette église, quelqu'un prie à l'heure, une longue phrase, c'est comme une histoire qu'il raconte. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit ça. L'interprétation n'est pas la traduction. Les langues, tu peux prier les langues pendant 10 minutes. L'interprétation peut prendre une minute ou même 30 secondes. Oui. L'interprétation n'est pas la traduction. Vous comprenez un peu? Alléluia. Quelqu'un peut dire, comme ma fille a dit, c'est choukra, choukourou, choukra, pendant 30 minutes. Mais il disait seul mot, ça veut dire adorer ou quelque chose comme ça. Là. Le jour était rempli de Saint-Esprit. Mais toi, tu peux pas. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas la traduction. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pour mon chikamala kumaranda koreas. Koreas, koreas, koreas à rema. Rema de paix, rema de paix. Rema de paix, rema de paix. Alléluia, alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Tout à l'heure, je venais de prier en langue, puis l'Esprit disait rema de paix. Ça veut dire quoi? Réma de paix, ça veut dire quoi? La révélation de la paix. Ah, vous comprenez un peu? Alléluia. Après la prière, l'enseignement sur la prière, l'enseignement sur la prophétie. On va étudier pendant le livre d'Esaïe, vous allez être par terre. Et là, tu prends un chapitre seulement d'Esaïe, il parle de 10 choses et de 10 époques. Tu fais comment? Comment tu discernes ça? C'est pourquoi la Bible dit. Quand il y a le Saint-Esprit quelque part, si tu ne comprends pas les choses de Dieu, tais-toi. Ne jette pas de malédiction pour rien. C'est pas je crois que c'est que certaines sœurs sont revenues qui étaient mortes, réveillées. Quand elle dit qu'on même quand j'ai pris la langue, même il dit, taca, 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 taca. Si tu ne comprends rien, tais-toi. Dis Seigneur, je ne comprends rien, bénis-la. Si elle est sur le bon chemin, que ton nom soit béni. Si elle n'est pas sur le bon chemin, sauve-la. Parce qu'il y a aussi les dames des démons. Alléluia. En 96-18, on était à la prière d'intercession. Une dame est arrivée ou après des prières là. Moi j'étais là, le pasteur bienvenu était là. On a entendu instantanément. Nous avons su que ce n'était pas une langue de Dieu. On a dit au pasteur, cette femme là, ce n'est pas une langue de Dieu qu'elle prie. Effectivement, quand elle s'est envoyée, c'est une femme qui se promène toute la nuit ici à Montréal. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas parce qu'il y a les langues des démons que les langues de Dieu n'existent pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ici, nous sommes en train de parler de la prière en langue. Je n'ai pas parlé de don des langues. Je n'ai pas dit dans la dimension de la prière. Amen. Je n'ai pas parlé des langues comme signe du baptême du Saint-Esprit. Mais je parle aujourd'hui des langues comme un outil de prière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh, Oshike Meronda Kamashike. Oh, Remashike Merondo Komashike Meranda Kaya. Que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Amen. Alors, il dit ici, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Ton intelligence, c'est la chose la plus difficile. Comme je vois mon cas il y a des semaines de ligne, ça m'a pris, qu'est-ce qui se passe? Pendant de 16 heures, jusqu'à, j'ai lui juste posé la question, ma fille, et tu sais que tu pries? Oui, je sais que tu pries. Mais c'est plus fort que moi. Et tu entends ce que tu dis? Oui, j'entends ce que tu dis, mais je ne comprends absolument rien. Je dis, voilà, c'est vrai, c'est comme ça. Ok? Dis-moi troisièmement, ça sort d'où? Ou ça sort comme
quand le Seigneur se trouve, et comment on dit, dans la topographie spirituelle, ton esprit c'est là. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que quand je prie en langue, mon intelligence, donc ma compréhension est stérile. Donc je ne comprends absolument rien. Au niveau de mon âme, je ne comprends rien. C'est parce que c'est mon esprit qui prie. Il dit, que faire donc? Je prierai et je priais par l'esprit. Donc je priais en langue et je priais aussi avec l'intelligence. Alléluia. Qui prie? Qui prie par l'esprit, qui prie avec l'intelligence? C'est toi. Amen. Tu peux prier par en langue comme tu pourrais prier par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs du peuple répondra, dit-il, amen. Alléluia. Alors, il y a un texte qui dit, au verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, plus encore que vous prophétisiez. Amen. Lui, Paul parlait en langue tout le temps. Voyez les résultats de sa vie. Tu es dans ta vie privée là, ne tue pas des attaques, des attaques. Prie en langue quand tu as l'occasion de prier, tu pries 4 heures. Que tu sais que c'est la langue de Dieu. Prie 4 heures, prie 6 heures, prie 8 heures. Tu vas voir et tu vas commencer à te parler des choses qui sont en Syrie, les choses qui sont à Tananarive, les choses qui sont à Île Maurice, partout où Dieu va te parler. Alléluia. Amen. Donc c'est la prière qui transcende les frontières. Comme disait mes pères spirituels. Amen. Qui transcende les frontières. Quand tu vois des fois, je vais prier pour toi, mais je parle à quelqu'un d'autre. Moi, je vais prier pour toi. Mais lui m'amène à quelqu'un d'autre. On fait quoi là? Amen. J'ai prié pour Saint-Pascal, mais il me parlait de Benjamin déjà. Tu as écouté? Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça là. Alors, c'est pour avoir quelqu'un et venir se laisser à l'église, il a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'encouragement, parce qu'il ne peut pas, tu ne maîtrises pas encore les dons. Il faut beaucoup d'encouragement. Tu ne doutes pas les présidents. Nous ici, nous refusons. Hé, qui t'interprète la tête, toi? Il n'y en a pas ici, là. Nous allons prier, tu vas interpréter au temps de Dieu. Alléluia. Sauf que quand je prêche, tu ne m'interromps pas. Quand quelqu'un prophétise, tu n'interromps pas. Tu diminues, tu commences à prier à haute voix, avec amour pour ne pas embêter les autres. Vous voyez, les choses d'esprit, ce n'est pas les choses qu'on va mettre avec mécanique. Ah non, hé ma soeur, ici, ce n'est pas ça. Tais-toi, tais-toi. Non. Le Saint-Esprit fait prier quelqu'un. Toi, tu viens de faire taire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Donc, troisième chose que nous voyons dans la prière en langue, je voulais vous dire, rester au niveau de la prière. Voyez au verset... pourquoi les langues sont là? Regarde, Dieu là, quand vous êtes rebelles là, il va vous faire des signes qui vont vous confondre. Une des choses qui confond l'homme pécheur, c'est la prière là. D'où vient la prière là? Dans l'Ancien Testament, l'essence vient de l'Ancien Testament. Vous allez lire dans Ésaïe 28, quand l'Assyrien venait pour menacer Israël qui était rebelle. Dieu dit que je vous enverrai un peuple méchant qui vous parlera une langue que vous ne comprendrez pas pour vous confondre. C'est ici que l'apôtre Paul, regardez ici, au verset 21. Il est écrit dans la loi par des hommes d'autres langues et des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteraient même pas ainsi. C'est par conséquent, verset 14, les langues sont ainsi non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Vous comprenez? Pour les non-croyants. Tu es quelque part où il n'y a que les non-croyants, et puis l'esprit de prière là. Prie, c'est ainsi pour eux. Jésus dit, quand j'ai prié, il dit, à quelle langue tu parlais? Mais c'est la langue du ciel. Ça m'a fait du bien. Hein? Ça m'a fait du bien. Oui, c'est du bien. Je priais pour un de mes voisins. Il n'a jamais vu plus de crises de folie. Quand on était là tout le temps, il était dans la folie et dans la drogue. L'enfant de notre voisin, là, un jour, je l'ai trouvé en état de folie. Il est venu vers moi. J'ai dit, je vais prier pour toi. J'ai mis la main, j'ai commencé à prier à haute voix dans la cour arrière, là.
depuis, c'est sa dernière hospitalisation depuis 2010. Le jour où son père est mort, il ne savait même pas qu'il avait un père. Il me dit, prie pour moi parce que mon père est mort. Voyez, il est encore dans ces choses-là, mais il n'est jamais retourné à l'hôpital. Alléluia. C'est un signe pour les non-croyants. C'est un signe que Dieu utilise pour confondre les non-croyants. Voyez un peu. Pour, ça marque la présence de Dieu. C'est pourquoi il est parmi les signes majeurs du baptême du Saint-Esprit. Ça fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Je ne parle pas de cette langue que tout le monde répète tout le temps. Tout le monde, c'est comme un disque déjà écouté. Il y a des saints qui vont vous apprendre à parler. On n'apprend pas à parler en langue. Peut-être pas dans l'esprit de quelque chose. Ça vient de l'esprit. L'homme va apprendre dans l'esprit quelque chose. Bien aimé. Non. Non. On n'apprend pas. Ça arrive, ça arrive. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bon, c'est pas le but de l'enseignement, je vais quand même dire. La prophétie, au contraire, c'est un signe pour le non-croyant. Et non pour le non-croyant, mais pour le croyant. Pourquoi? Quand il y a une prophétie réprobatoire, une prophétie qui corrige, une prophétie qui console, une prophétie qui émue les enfants de Dieu sont édifiés. Édifiés, ça veut dire construit en toi. Ok? Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia! Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je disais, le point de controverse par rapport à l'interprétation, les gens, il ne faut pas qu'ils les prennent comme des choses mécaniques. La prière, ce qu'il faut faire, il faut prier avec le prière Allah pour qu'il donne l'interprétation. Mais la réponse d'une prière ne dépend pas de vous. Le temps où Dieu répond à une prière, moi, ça m'a pris 5 ans. Et là, il y avait un pasteur qui me comprenait. Et j'étais à l'église, quand je suis parti. Comme j'étais un peu, les gens avaient un peu peur de moi, mais ça m'aidait beaucoup. Quand je suis parti. Ok? Quand on prêche, moi, je reste calme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas donner le temps aux gens, l'amour des gens pour prier. Comment tu peux prier pour quelqu'un pour qu'il ait une interprétation et puis tu n'aimes même pas la personne? Et c'est là, il prie en langue, là-bas, il n'y a pas d'interprétation. Mais toi, tu vas prier qui pour que Dieu réponde? Dieu ne peut pas répondre à ta prière. Alléluia. C'est pour ça qu'il vient nouvellement de prier en langue. Quand tout le monde est en train de prier, prie comme tu veux. Amen. Quand on est dans l'état d'adoration, diminue la voix, adore ton Dieu comme tu veux. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a une histoire qu'un de mes pères spirituels a rencontré la cellule qu'elle était guide. Il y avait dans une église, je ne sais pas, au Texas ou en Arizona, une église comme ça là, qui avait beaucoup de membres. Il y avait une vieille dame. Elle venait à l'église juste avant le culte. Écrite qu'avant 10 heures, elle était déjà là, 9h, elle était en haut. Elle priait en langue pendant une heure, la vieille dame priait en langue. Quand le pasteur prêchait, elle était toujours en train de prier en langue. Et puis il y a un jeune pasteur qui venait de faire l'école biblique là, et puis il vient avec constat, tout ça. Il dit non, moi je ne fais plus ça hein, ici. La vieille dame a fait prier en langue. L'église est descendue, ou des 100 membres jusqu'à 50 membres, jusqu'à fermer un jour. Alléluia. Amen. Quand il y a des combats, moi hier j'avais un doigt coincé, Michel à la porte là, en propation coincé. Mais j'ai préparé mon message là. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Autre chose. Moi je crois. Bon, je les dis que tous parlent. Je crois que tous les chrétiens peuvent prier là. Je crois que tous les chrétiens peuvent prier là. Alléluia. Paul a dit, je les dis que tous vous priez. Voilà. Alléluia. Mais ce n'est pas aussi la seule prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Donc, quand tu as ce don-là de prier en langue, ne te donne pas de repos. Dieu va te demander des comptes. Prie comme tu l'as jamais prié. Parce que ta prière va transcender les limites. Il y a quelqu'un qui voulait se faire du mal ici, là, dans ces quartiers, qui voulait se suicider la nuit. Ta prière le sauve. Toi, tu ne sais pas. Mais toi, tu es en Guinée en train de prier. Mais ta prière sauve quelqu'un qui est en Israël, quelqu'un qui est en Russie. Alléluia. C'est ça la bonté de la prière, là. Hein? Ma fille est là, elle, toute la semaine, là, en train de chasser l'esprit de mon souhait. C'est qui dit le matin, et on écoute toute la prière. Il faut dire que la prière le matin, c'est très important. C'est un ordre que je te donne. Je ne ris pas. Ok?
Faut pas jouer avec la vie là. C'est sorti tout le temps, tout le temps. Amen. Et si tu ne pries pas, ça ne sort pas. Le plus tu prieras, il faut garder dans ton don. Le plus tu prieras encore. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Dans la Bible amplifiée, comment est-ce qu'on lit le verset 14, ils disent ceci en anglais. J'ai juste, parce que la version française, j'ai le problème. My spirit by the Holy Spirit within me. Donc mon esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi, prie. Voyez un peu. Quand tu pries en langue, c'est ton esprit, par le Saint-Esprit qui est en toi, tu pries. Parce que ton esprit là n'est pas sauvé s'il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Alléluia. Mais oui. Quand tu es né nouveau, le Saint-Esprit vient en toi. C'est quoi ton esprit est sauvé? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Une autre chose que je voulais annoncer. La prière de l'esprit commence souvent avec un poids. Un poids. Tu sens qu'il y a un poids de prière. Qui connaît ce qu'on appelle un poids de prière? Qui a déjà senti un poids de prière ici? Levez le doigt. Un poids de prière. Un poids de prière, c'est-à-dire que tu sens que tu dois prier. C'est là. Si tu ne pries pas, tu n'es pas à l'aise. Même au travail, tu deviens irrité. Tu sens que tu dois entrer en prière. Souvent, quand tu pries, tu pries en là. Et quand tu dois prier jusqu'à ce que le poids parte. Si le poids n'est pas en bas, tu n'arrêtes pas. C'est comme si tu as comme, c'est comme cette histoire que le prophète Élisée à sa mort a demandé au roi d'Israël qui a juste frappé, toi, il fallait les frapper. Non! Jusqu'à ce que dit ça, le poids part. Moi, devant les disputes, dit, le fardeau est parti. Dit, merci. Des fois, c'est dur. Alléluia. Des fois, c'est dur. Alléluia. Des fois, il y a un jour où j'allais juste manger mon gombo et était là tout le temps. Poids de prière. Demain, tu n'as pas le choix. Tu laisses la nourriture et le gombo, tu vas prier. Alléluia. Amen. C'est pas pour vous dire que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est pas pour aller jouer. C'est pour les services. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième catégorie de prière par l'Esprit. La troisième catégorie, c'est la prière par les gémissements. On a vu ça dans Romains 8, verset 26. On y va rapidement. Alléluia. Oracle, 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 oracle de Jésus-Christ de Nazareth. La paix est là. La paix est là. Le temps de la paix est là. Tout va bien. Tout va bien. Le plan. Le plan de la mort est brisé. Le plan de la mort est brisé. Alléluia. On dit amen, le plan de la mort est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à nos prières, l'Esprit lui-même intercède par les supplices inexprimables. Celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit, c'est parce que selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand je vois un baptisé enseigner sur cette fois, ça me fait rire. Ça ne dit pas, ça me fait rire. Mais ça, on parle de la prière par le Saint-Esprit. Hein? C'est pas la prière mentale. Là. Amen. C'est seul, on parle de le Saint-Esprit vient nous aider quand nous ne pouvons pas, le Saint-Esprit vient intercéder en nous. Et le Saint-Esprit va des soupirs inexprimables. Amen. Inexprimables. Alléluia. C'est pour rien. Beaucoup de choses, des fois, tu pries par le Saint-Esprit, tu vois, des fois tu bailles, des fois tu bailles, des fois des jours comme ça là. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait en nous. Comme je vous ai parlé par l'exemple d'Abdel. Abdel soupirait, il était assis, il soupirait pendant une heure de prière, il soupirait. Et Dieu écoutait. Alléluia. Les soupirs font partie aussi de la prière spirituelle. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il faut que l'église de Jésus-Christ demeure spirituelle tout le temps. Mais si vous êtes mélangé et je dis un pied dedans de la vérité, demeure un pied en arrière, un pied dedans, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Et moi, j'ai plus le temps pour ça. Je veux que les enfants de Dieu avancent. Amen. Je vois quelqu'un d'apôtre qui vient de témoigner ici parce que l'oreille ici est faite pour écouter. C'est un grand intellectuel à qui j'ai parlé plusieurs fois qu'il n'a pas écouté. Et Dieu a parlé dans un endroit où on ne devait pas nous parler. Il dit, vous comprenez un peu. Il faut faire attention, il faut écouter. Quand vous avez laissé toutes pièces de sa vie pour vous, c'est pour vous que vous soyez utilisé par Dieu.
pas pour autre chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si on revient, bah, les gémissements, donc de la prière en langue, l'importance, regarde, quand je dis prière en langue, là, prière par l'esprit. Dans la prière par l'esprit, toutes les formes de prière peuvent être dedans. Mais en esprit. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc ton esprit là, quand tu pries en langue, quand tu pries par l'esprit, tu peux prier pour glorifier Dieu. Amen. Tu glorifies Dieu. Mais tu le fais en langue inconnue. Alléluia. Amen. Oui, ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, chapitre 10, on a vu ça. On les entendait parler les merveilles de Dieu. Il est parlé en langue inconnue. Alléluia. C'est pourquoi tu peux prier longtemps, ne t'inquiète pas, je retourne en français. Quand tu es seul, vas-y en langue le plus que tu peux. Amen. Parce que des fois, je ne comprends pas ce que j'ai dit. Il faut que je retourne un peu dans ma langue. Non. Vas-y. Ton esprit est en prière. Deuxièmement, la prière en langue. Comment je dirais? Oh, gloire à Jésus-Christ. Tu peux prier en langue simplement parce que Dieu te met là un point d'intercession. Tu intercèdes pour les situations à travers les mots, mais tu le fais en esprit. Amen. Des fois, tu vas prier, puis tu vas demander, ah, Syrie, c'est dit. Tu vas commencer à avoir des réponses sur des pays et des situations dans des pays. Mais toi, tu pries en langue. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Quand la Bible dit que la prière en langue est pour s'édifier soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça te construit. Pas la prière, parce que tu parles à Dieu dans une langue que seul Dieu connaît. Et Dieu te répond aussi. C'est une conversation avec Dieu sur le plan spirituel. Alléluia, amen. Ça te construit beaucoup. Je peux des fois ne pas gêner pour une situation. J'ai plus souvent appelé pour une situation. C'est ce que j'ai fait toujours. Avant de venir dans une situation urgente, je vais m'enfermer dans le bureau. J'ai pris au moins 30 minutes en langue. Et puis quand je conduis, je suis en train de prier en langue. Je prie. Des fois, Dieu me parle des révélations de là où je vais. Et puis, je sais comment me comporter là où je vais. Amen. Des fois, tu n'as pas besoin de gêner. Tu as besoin seulement de te construire en esprit, toute la nuit en esprit. Et puis la journée, tu vas faire le travail de Dieu. Ça va être OK. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et la prière en langue est aussi, on peut aussi l'utiliser, par exemple, dans les situations où tu vas avoir des réponses. Tu es agacé de tout part. Où mettre la tête? Que les requêtes? Qui est déjà arrivé dans une situation où tu as 10 000 problèmes, comme moi? Tu ne sais pas où mettre la tête. Tu fais quoi? Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais ceci. Tu as 50 requêtes. Non. Des fois, le Saint-Esprit vient prier en toi. Comme tu ne sais pas ce que tu dois demander, comme c'était dans Romains chapitre 8, il va prioriser tes besoins, il va diriger ta prière pour quelque chose de précis et qui va aider les autres situations. Alléluia. C'est de quelque chose de précis, quelque chose que les enfants de Dieu doivent désirer. Alléluia. Oh, Washba Kongre Mashia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Quatrièmement, la prière en langue aussi dans le domaine de la délivrance est extrêmement importante. Quelqu'un vient te voir, il y a une délivrance. Il y en a qui sont sincères, ça j'aime facile. Quelqu'un vient te voir, il dit mon problème, c'est ça. Ça c'est rapide. Il y en a qui veulent te voir, il ne veut rien te dire. Il veut juste que le problème Y soit réglé. Mais les A, B, C, D, J, J, K, L, M, tous ces problèmes, ils les cachent. Mais tu pries, et puis ça te fatigue à la fête. Mais je prie combien de fois? Tu as besoin de fois de prier en langue. Alors, la prière en langue va faire quoi? Ça va faire sortir la première chose à délivrer, va donner une parole de connaissance des fois. Vous priez en langue, une parole de connaissance, c'est ça. Je m'appelle une fois, il y avait un enfant. Ok. Il y avait un enfant qui avait la problème de la sorcellerie. Et puis on a amené, les parents venaient me voir pour l'amener à l'église où on était. J'ai dit, n'amène pas l'église à l'intercession parce que tous ces petits enfants, tu ne sais pas protéger l'enfant. Laissez-nous prier, ça va faire l'enfant. Le papa n'a pas écouté.
Il a amené l'enfant et puis on l'a mis comme dans un tribunal. Là. Ils ont chanté Alléluia, Alléluia, dans un tribunal. Dis-nous ce que tu as fait. Moi, là, je venais de te remplir cet esprit, j'ai prié dans le coin, et puis je viens vers la petite. En priant en larmes, et puis je viens, pouf, on me montre juste un bonbon en vision. Je dis, ma fille, le bonbon que tu avais amené, qu'est-ce que tu en as fait? Ah, c'est le bonbon que je vois là, ça signifie quoi? Ah, le bonbon, papa, c'est moi qui amène le bonbon que j'ai donné aux enfants ici. À quel enfant tu as donné? Il a dit, à tel enfant qu'il a donné. La maman de l'enfant a commencé à pleurer en langue maternelle qui était là. Vous voyez, puisque la prière là, on peut faire. Ça veut dire une parole de connaissance pour décrisper une situation. On a prié pour l'enfant. Cette femme, cet enfant aujourd'hui sert Dieu. C'est une grande femme aujourd'hui, elle sert Dieu aujourd'hui. Amen. Elle sert Dieu aujourd'hui, elle est à Toronto. Alléluia. Vous comprenez un peu? Amen. Et dans la prière, toujours la prière, dans la prière, quand vous faites des prières d'autorité, la prière là, et peut vous faire donner, peut se transformer en prière d'autorité aussi. Vous priez en langue, vous sentez que c'est l'autorité que vous prenez. Tu ne te comprends pas. Tu sens quand tu pries que tu grondes les gens. En fait, c'est les démons que tu grondes, ils partent. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de fois, ils ont eu des visions de Jésus, des fois, il n'a pas parlé à une langue qui n'a pas compris. Beaucoup de gens vous disent ça. Il m'a parlé à une langue qui n'a pas compris. Comme quelqu'un, quand il allait à l'enfer, juste une langue qui n'a pas connu. Quelqu'un parlait à ton ami, une langue qui n'avait pas connu. On l'a juste happé de l'enfer pour le faire monter au ciel. Alléluia. Amen. Donc la prière en langue, l'autorité, ça. Mais ce n'est pas toi qui dis, je vais faire l'autorité en langue. Je vais faire ça. Non, c'est toujours le Saint-Esprit qui te conduit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc toutes sortes de prières. Vous trouvez aussi la prière en langue comme, qui devient comme une prière d'adoration. Ça devient plus doux. Vous sentez que vous parlez, vous êtes en train d'adorer Dieu. Amen. Des fois, ça peut être transformé en chant en langue. Voilà, il y a beaucoup de quelques chants ici là, qui étaient en langue et puis qui étaient venus en langue humaine ici. Deux, trois chants comme ça. Là. Alléluia. Donc, c'est toute une prière complète. Toutes les formes de prière peuvent se retrouver dans la prière en langue. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant que vous priez en langue? Le Saint-Esprit anime votre esprit pour comprendre ce qu'il est dit. Là, c'est alors que vous commencez à avoir des visions, vous commencez à avoir des interprétations. C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. On va arrêter un peu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais un peu continuer dimanche, passer encore avec la prière en langue et puis on va entrer dans d'autres types de prières. En résumé, toutes les formes de prières qui peuvent exister peuvent se retrouver dans la prière en langue. Mais tu les fais par l'esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu es joué dans tes moments privés, ne te prive pas. Quand tu es dans tes moments privés, prie beaucoup à l'esprit. Et lis la Bible beaucoup. Prie beaucoup et lis la Bible beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je voulais juste compléter une chose. Quand il y a l'interprétation, souvent cela s'adresse à Dieu. De l'entendre, quelqu'un est en train de louer Dieu, c'est ce qu'il dit à Dieu. Amen. Mais quand vous entendez une parole venue de Dieu, pour exhorter, pour consoler, pour corriger. Cela s'appelle une prophétie. Alléluia. La plupart des temps, l'interprétation des langues va être la réponse à la, ou les visions que vous voyez parler que vous priez en langue, c'est la réponse par rapport à votre prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce encore pour cette journée et nous avoir aidé de comprendre cette chose. Difficile pour les hommes de ces temps. Que Seigneur, tu es venu par le Saint-Esprit prier à travers les hommes. Seigneur, nous te rendons grâce de Dieu chacun de ses enfants au Père. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, au Père de gloire, que leur esprit soit animé par toi, le Saint-Esprit, pour leur conduire une autre dimension de prière en d'autres langues pour que ton nom puisse être glorifié encore au Père. Nous te rendons grâce et te disons merci encore pour. C'est temps que tu nous as donné, que ton nom soit béni
et sois exalté. Toi qui viens de me suivre, si tu te rends compte que tu ne peux pas, ta prière est courte. Tu n'arrives pas à prier longtemps et qu'il y a une guerre qu'on a dans ton cœur pour pouvoir prier. La première chose que tu dois faire comme enfant de Dieu, c'est d'abord de demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. C'est un droit pour chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ maintenant que chaque personne qui me compte maintenant, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, soit remplie du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Angora, Ouyashanta Koshke, l'Esprit Sonai, le Saint-Gemin, Changement, Koriyama Shadow, Shadow le feu, comme un chic, comme un autre, Seigneur, je bénis ton sein, que ton nom soit béni. Et sois, et nous te rendons grâce, te disons merci. Si toi qui viens de me suivre, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu veux bénéficier au moyen de ce temps merveilleux de communion avec Dieu par la prière, par l'Esprit. Seigneur, fais cette prière avec moi de tout ton cœur. Du Père Céleste, je suis devant ton trône. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je viens devant ton trône aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Père, je te rends grâce de me sauver. Et je te dis merci pour l'œuvre complète de la croix. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Et aide-moi à prier selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.